Et voilà, il fait beau, il fait chaud, du coup on en profite pour aller faire les courses avant de commencer les vendanges. Et je voulais vous montrer la ligne d'échappement que j'ai faite moi-même. Voilà, double sortie. Bon, ça c'est dégueulasse parce que j'ai été obligé de ragrandir les câbles vu que je les avais rétrécis. Voilà, ligne double sortie, passage haut. Parce que de base elle passait en bas, vous voyez, là qu'elle remontait là. Moi je l'ai fait passer là-dedans, elle passe là. Coup de peinture noire, peinture thermo noire. La peinture elle tient bien, c'est nickel. Donc la ligne je la sortirai peut-être. De toute façon je vais la changer et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Le 140 est monté dessus, vous voyez. J'ai mis un petit coup de stylo blanc, comme ça ça fait style vrai moteur Yamasaki. Il manque un plastique là, c'est normal. En tout cas ça me fait chier. Alors je vais vous montrer ici, j'espère qu'on voit bien avec la position de la caméra. Donc il y a un échappement principal et un échappement secondaire. J'ai mis dans l'échappement principal un espèce de petit catalyseur qui se met ici. Il se met ici, ouais. Du coup il y a 60% des gaz qui s'échappent par celui-là et les 40% par l'autre. C'est mon ressenti quand je mets ma main derrière. Je vais vous faire écouter le bruit et je vais aller faire un tour pour vous montrer ce que ça donne. Alors cette ligne m'a fait perdre des performances, c'est pour ça que je vais la changer. Le diamètre du tube est beaucoup trop petit. Pour un moteur 90 cm tube, je pense que ça passe vraiment bien. Mais là pour le 140 ça passe pas. Ça passe vraiment pas beaucoup. J'ai perdu 10 km/h. Je suis passé de 116 à 106. Compteur GPS, parce que j'ai plus de compteur, que je regarde mon câblage, de toute façon c'est le bordel, le câblage électrique, ça m'a toujours saoulé l'électricité. Donc 140YX. Carburateur K-in, je sais pas comment que ça se dit, de 28 mm. J'ai pas mis ma boîte à air parce que chaque fois que je la mets, ma moto elle déconne à mort. Faut que je fasse le réglage. Voilà, je pense que pour le réglage je vais aller voir un professionnel parce que moi j'y arrive pas, je comprends pas, je suis peut-être trop con tout simplement. Voilà, du coup je suis un peu dégoûté parce que j'ai pas eu les catalyseurs que je voulais, les cartouches que je voulais, donc là ça fait gros cul. Moi je voulais des plus petites cartouches. Mais bon, je m'en contente pour le prix que je l'ai eu, de toute façon je les ai eu. On allume. Voilà, magnifique. J'adore le bruit. Bon bah je vais aller l'essayer. Je vais vous montrer. Par contre, je vais pas parler pendant que je roule. D'ailleurs vous allez peut-être même entendre le bruit du vent. Ça va me saouler, j'ai perdu ma mousse, je suis dégoûté. C'est parti! Elle a un A, elle est sur TikTok avec son téléphone. Appuyez là.
hectares. Non. Non, c'est pas TikTok. Hein. Bah voilà, c'était une vidéo sur ma ligne d'échappement. Je suis plutôt fier de moi pour une première ligne. J'ai aucune expérience dans la soudure, enfin si, mais c'était sur les tracteurs, c'était différent. Là c'était une ligne d'échappement, c'était plus précis. Et je suis plutôt fier de moi en vrai, même si la ligne de près elle est dégueulasse, hein, mais elle fait très bien son travail. Par contre, au niveau des performances, j'ai perdu comme des kilomètres-heure comme je l'ai dit. Donc la ligne d'échappement, je l'ai enlevée. Je vais la vendre, je pense, ou la donner à un propriétaire de Yamasaki qui traîne dans le coin. Moi, pour mon 140, ça passe pas. Le diamètre de la ligne est beaucoup trop petit. Ça me fait perdre des performances de l'accélération et de la vitesse maximum. Pour ceux que ça intéresse, je vais partir en formation pendant 6 ou 7 mois en tant que soudeur alu et inox. Ce qui veut dire que je vais pouvoir créer mes propres lignes d'échappement sur mesure. Je vais en faire que pour nos Yamasaki, donc les Yamasaki avec le châssis Z250. Étant donné que ça sera fait avec la passion et pas pour l'appât du gain, je les ferai au prix coûtant, donc le prix des matériaux, le prix du fil que j'aurai utilisé et les frais de port, tout simplement. Voilà, donc ils seront en vente je pense sur la page Facebook si je suis encore dessus, et sinon je verrai tout ça, je vous tiendrai aux nouvelles. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, un bon ce que vous voulez. Salut !